Petit Mafonta, est-ce que c'est réel ou pas? Hé, ah. J'ai de la chance, moi. J'ai la portion moyenne. Waouh. Mais oui, j'ai tellement de chance. C'est une canette énorme. Commençons par moi. Oui, j'ai le plus petite canette, alors je vais voir rapidement ce truc. Oui, si j'arrive à l'ouvrir. Et si je fais... Oh, si j'appuie comme ça... Ouah, cool. J'attrape. Quelques gouttes et c'est tout. Alors, c'est fini. Qui est le suivant? C'est moi. La tâche la plus difficile n'est pas de boire, mais d'ouvrir cette canette de Fanta. Oh non. Ouais, ça peut arriver qu'à moi. Et comment je fais pour l'ouvrir alors? Et si je fais comme ça? Peut-être avec des dents? Oui, je pense que ça marche. C'est fait. Voilà. Merci pour mes dents. Alors, maintenant, je peux bien déguster cette Fanta. Comme c'est bon! Sophie, et toi, qu'est-ce que tu fais? Vas-y, tu peux boire. Oh oui, enfin! Oh, j'ai une énorme canette! Heureusement qu'il y a un robinet comme ça, qui peut me permettre de verser du Fanta où je veux. Voilà, je vais mettre tout cela dans ce verre. Pourquoi ça prend tellement de temps? Alors, je vais faire des bulles. Quand c'est bon? Oh, ça arrive pas? Alors, je vais jouer un peu. Ouais, peut-être pas comme ça. Oh non, le verre, j'y arrive pas. Oh non, il faut que j'augmente. What? Je crois que n'importe quoi. Aïe! Les filles! Non mais... Comme ça. Je ne sais pas si je vais faire comme ça, mais c'est bon ça. Ouais, ça s'est arrêté. Il en reste encore. Oui, j'ai tout bu. Voilà. Cette fois-ci, on a préparé des cornets de crème glacée pour les filles. Oh, les filles. Oh, regardez, Tina, elle a eu le plus gros. Qu'est-ce qu'elle a fendu? Et Sophie n'a pas de chance cette fois-ci. En ces petits cornets de glace. Sophie, une perdante. Bébé. Sophie, je te conseille de ranger la loupe car ta glace veut être attaquée par le soleil. Oh non, elle est en train de disparaître sous tes yeux, Sophie. Oh non, mon petit cornet de glace. Oh non, c'est presque fondu. Mais c'était très bon. Oh, maintenant c'est ton tour. Oui, avec plaisir. Mais oui, je vais commencer par ça. Je vais me transformer en chef et je vais faire le cornet le plus appétissant. Alors, je vais ajouter de la crème fouettée. Ensuite, tout ce qu'il faut. Et quelques baguettes poké. Un peu de chocolat. Tadam! Oui, génial! Alors, maintenant, c'est l'heure de la dégustation. Des fraises. Et la glace, c'est vraiment parfait. Oh oui! Non mais arrêtez de me regarder comme ça. Ah, c'est mon tour, ouais. Enfin! J'adore cette glace. Oh, même à la fraise. Comme c'est bon, ça! Oui, c'est la meilleure journée de ma vie. Ouais, je n'ai jamais vu que ce serait si drôle. Oh, wow! Non mais regardez, ça va être drôle. Oh non mais les filles, je suis coincée. Oh, ça va? Je suis un peu... Non mais c'est fou quoi. Alors, je sais ce qui va t'aider. Voilà, ça va t'aider, non? Regarde, ça a marché. Merci les filles. Wow, c'est de la guimauve? C'est trop cool. Sophie a reçu une guimauve normale, mais il y en a d'autres. Et Tina a une super petite guimauve. Oh, t'inquiète, je savais qu'il y avait des guimauves géantes comme ça. Oh, c'est trop cool. Oh, oui, c'est tellement grand. Qui commence? Moi. Ouais, ça c'est le petit marshmallow. Oh non. Tu vas où? Stop.
Comment ça s'est tombé? Et alors? Je vais t'attraper. Oh non, c'est tellement petit. Oh, c'est tellement sale. Mais bon. Je vais nettoyer. Et voilà, la ponce épilée, ça va m'aider aussi. Le plus important, c'est bien utiliser la brosse. Et bien sûr, un peu de pchit, et voilà. Regardez! Oh, je pense que c'est comme neuf. C'est bon, ça. Alors, c'est qui est la prochaine? Oh, je peux enfin manger ce chamallow. Et je peux le faire avec la façon la plus classique. Je vais la mettre dans du cacao. Oh, wow! Elle a absorbé toute la boisson. Et maintenant, c'est gros et délicieux. Oh. Regardez comme c'est cool. Quoique... Oh, si c'est tellement cool! Alors, je pense que je vais utiliser la tasse plus grosse. Alors, est-ce que cette fois-ci, ça va marcher? Waouh! Non, mais regardez, c'est tellement énorme! Oui, il faut le faire sortir, les filles. Regardez! Oui, c'est tellement géant! Oh! Non! Comment ça? Non, mais maintenant, c'est tellement petit, c'est tellement sale. Et bon, c'est quand même bon. Voilà, c'est tout. Oh, j'ai terminé. Maintenant, tu peux manger ton géant. Enfin! Ce chamallow est tellement drôle. Elle tremble de façon très amusante. Assez joué, il est temps de manger. C'est délicieux. Et pourquoi vous rigolez? Oh non! Tout mon maquillage est sur les guimauves! Mais j'ai essayé si fort! Hein? Et c'est vrai? Alors, je suis belle? Non, mais en fait... Oh non! Ma maquillage s'est dégagé! Et tout ça à cause d'un stupide chamallow! Des crêpes! J'adore! Oh, j'ai une plus petite portion du monde. Mais j'ai un énorme pot de miel. Et moi, j'ai une portion normale de crêpes. Et moi, j'ai d'énormes crêpes. Oh, mais vraiment, c'est super petit ce pot de miel. Mais comment? Et si, ça ne me dérange pas si je commence. D'accord. Je mets un peu de miel sur les crêpes. Je pense que ça va suffire. Miam. C'est bon, ça. Oh, où sont mes crêpes? Oh, elles sont là. Alors? Oh, je pense que je ne sens rien à part du miel. Mais c'est quand même très bon. Tu vas te lécher les doigts. En fait, vraiment. Je vais vraiment me lécher les doigts. Alors, c'est qui? Oui, c'est à moi, c'est à moi. Alors? Maintenant, verse un peu de miel sur mes crêpes. C'est tellement appétissant. Maintenant, je vais mettre tous les trucs. Et maintenant, je vais goûter. Non, mais pourquoi ça ne marche pas? Oh, c'est bizarre. Oh, bon, je vais quand même manger. Ça, c'est très bon. Oh, j'adore les pancakes. Les filles, pourquoi vous êtes comme ça? En fait, c'est très bon. Oups! Oh, je crois que je suis coincée. Ouais, qu'est-ce que je vais faire? Aïe! Non, mais... Voilà! Maintenant, c'est mieux. Tina, maintenant, il ne reste plus que toi. Oui, moi, moi, moi. D'accord. Je vais savourer ces pancakes. Oui, un peu, c'est pas suffisant. Mais c'est mieux que rien. Alors... Oh, je mets le miel. Quoi? C'est tout? D'accord. Je vais l'étaler comme ça. Je pense que c'est mieux. Et maintenant, je vais goûter. Oh, comment je vais faire? Oh, c'est vrai. Voilà, je vais mettre les crêpes juste par là. Maintenant, je vais bien les manger.
je peux faire plus attention. Les filles, vous aviez raison. Les pancakes, c'était génial. Oui, mais sans une grosse portion, ça, c'est cool. C'est tout. Et qu'est-ce qui s'est passé à vos pizzas? Waouh! Une sucette! Ça sera certainement très savoureux. Je suis une sucette, mais elle est aussi très grande. Est-ce que c'est un gros morceau? Oh, regarde ce que j'ai! Ça ne tient même pas dans une assiette. C'est cool, n'est-ce pas? Les filles, je crois que je suis amoureuse. Presse pour que je mange en première. Au moins, je vais avoir de la chance. La sucette, ce n'est pas seulement délicieuse, mais aussi très amusant. Même si, bien sûr, jouer n'est pas aussi cool que de le lécher. Dommage qu'il soit si petit. Il s'est épuisé si vite. Monica, maintenant, tu peux te mettre à manger. J'adorerais. Mais je ne vais pas simplement le lécher, j'ai pensé à quelque chose de plus cool. Maintenant, je n'ai pas une grosse sucette, mais tout un tas de petits bonbons savoureux. N'est-ce pas amusant? Les filles, vous n'avez pas idée à quel point je suis heureuse. Oh oui, c'est vraiment délicieux. Oh, je peux très bien imaginer. Je ne serai pas contre une barre chocolatée. Oh, comme c'est appétissant. Et voilà. J'ai fini, maintenant c'est ton tour. Oh, c'est étrange. Il y a quelque chose qui ne va pas avec elle. Elle semblait vraiment être tombée amoureuse d'une sucette. Cela signifie qu'elle l'est à nous. Hé, qu'est-ce que vous avez fait? Qui a dit que vous pouvez toucher mes bonbons? Rendez-moi tout ce que vous avez volé. Qu'ai-je dit? Donne-moi tout! Les filles, je vais devoir utiliser la magie pour remettre les bonbons en forme. Voilà, ma sucette. Elle est sauve. Je ne vais pas donner à quelqu'un. C'est même interdit de regarder ma sucette. T'es une paradine? Oui, il faut partager avec les amis. Oh, c'est bizarre. Oh, je crois que je suis collée. Mais pourquoi? C'est pas froid. Oh! Voilà, c'est ce qui arrive quand on devient radine. Oui, mais regardez combien de sucettes nous avons. Oui! Les filles! J'ai un seau entier de verres savoureux. C'est cool, hein? J'ai pas un seau, mais ce n'est pas mal non plus. Je n'ai qu'un seul verre. Bon, les filles, vous avez la permission d'être jalouses de moi. Pourquoi être jalouse? Nous avons aussi des friandises. Peut-être que j'ai qu'un seul verre, mais il est aussi très savoureux. Et on peut jouer avec. Comme PG. Je me demande qui je vais attraper avec de la marmelade. Les filles, ne faites pas de bruit et ne priez pas les poissons. Oui, j'ai attrapé quelque chose. Waouh, c'est vraiment un poisson. J'ai attrapé un poisson de marmelade sur un verre de marmelade. Mais c'est encore plus cool qu'un modèle normal. Ce poisson est brillant, doux et très savoureux. Il a déjà réussi à engloutir mon verre, d'ailleurs, alors je vais le manger aussi. Waouh, cool. Absolument. Alors j'ai aussi beaucoup de chance. Lucie, c'est à ton tour de manger des verres. Eh bien, je suppose que je ne vais pas les manger non plus. Kate, tu peux me prêter ta canne à pêche? Je vais aussi apprendre à pêcher. J'espère pouvoir attraper un sac entier d'ourson en gélatine. Où tu vas attraper un... Kate! Il faut surveiller la peau, il pourrait être volé. Quoi? Oh, maintenant, les verres sont partis. Kate! On t'a à toi! Remets mes verres à leur place! Oh, si tu le veux.
Oh, Kate! Oh, tiens! Kate, on tatoue! Tu les as bavés dessus! Maintenant, j'ai plus envie de les manger! Monica, vas-y, mange! Bon, vas-y, il est vraiment temps! Je n'ai pas besoin de pêche, je préfère simplement manger ces délicieux verres! Les filles, c'était un beau! Il faut tout manger! L'essentiel est d'entasser la quantité maximale dans la bouche. Alors personne ne les volera. Comme c'est bon! On peut essayer? Non! Je ne vous laisserai pas toucher ces incroyables verres. Lucie, j'ai une idée de la façon dont nous pouvons donner le soin à ces gourmandes. La sauce piquante nous aidera à le faire! Super idée! Je me demande ce que ça fait de manger de la marmelade épicée. Je pense que Monica l'adorerait. C'est fait! C'est tellement bon! Cela te donne juste envie de manger, de manger, de manger. Je pense que quelque chose ne va pas. Pourquoi c'est si chaud? Notre père s'est pensionné, maintenant Monica va prendre une leçon pour la vie. C'est pas bon d'être gourmande. Alors c'est à cause de vous que j'ai failli être réduite en cendres. C'est à cause de vous que mes verres ont fondu. Tenez! Vous avez l'air mieux maintenant. Le bleu vous va bien. Pourquoi j'ai la plus petite bouteille? Parce que j'ai la plus grande. J'espère qu'il y a quelque chose de vraiment savoureux à l'intérieur. J'ai une bouteille plus petite, mais je suis sûre qu'il y a des trucs aussi délicieux. Ma bouteille ne peut tenir que dans mes doigts. Ce n'est pas juste. Alors je serai la première à la boire. J'espère que ce n'est pas jeune parce qu'il y a du jus de citron à l'intérieur. Mais c'est de la gelée! La gelée est toujours délicieuse. Mmh, c'est délicieux! Waouh! Cool! Les filles, c'est vraiment délicieux! Je suis prête à manger cette gelée pour le reste de ma vie. Mais malheureusement, elle a disparu. Pourquoi j'ai été traitée si cruellement? Alors tu t'es mal comportée. Et j'ai une grande bouteille. Et je suis sûre que ma gelée violette est bien plus savoureuse que ta gelée jaune. Comme c'est bon. Je n'ai jamais goûté une gelée aussi délicieuse auparavant. La saveur des baies sauvages. Je suis prête à boire en entier. Lucie, je te comprends. J'aime trop. J'ai mangé si vite la gelée, il me reste que le tout dernier fond de la bouteille. Je vais devoir de les couper. Mais ce n'est pas si difficile. Ouais. Comme c'est bon. Kate, j'adore comment tu mets tes doigts dans la bouteille. Ouais, je ferai tout pour de la gelée. Wow! C'est tellement appétissant! Oh! Je pense que... Non, mon doigt est coincé! Quelle bouteille stupide! Vas-y, sors! Oh oh! Je pense que j'ai été laissée sans gelée. Mais c'était quand même très bon pour moi. Et alors, Monica, maintenant c'est à ton tour de manger. Je vais enfin pouvoir découvrir à quel point la gelée est délicieuse aussi. Ah! Non, la beauté fait vraiment mal. En plein dans le mille. Je pense que je peux gérer ma gelée mieux que toi. J'en ai plus. Je peux juste l'extraire par pression. Stop! Pourquoi je ne peux rien faire? C'est censé s'écouler.
C'est de la gelée, c'est doux et souple. Allez. Oui, je pense que ça marche. Ça sort de la bouteille. Il ne reste plus qu'à le mettre à l'arrière. Oh, je pense que ça marche. Les filles, je suis au paradis. C'est dommage qu'une bouteille aussi énorme ne soit pas suffisante aussi. J'en veux encore et encore. Mais c'est vraiment bon. C'est un peu cool, hein? Mais il n'y a rien de mal à cela. Oh, Yana! Oh, mes mains sont collées! Non, mais qu'est-ce que je vois? Ah! Monica, nous ne savons pas comment vous aider. Ne vous inquiétez pas, je suis là. Et je vais bien. C'est vrai, j'ai dû faire un peu confiance à la table. Mes mains sont toujours collées dessus. Qu'est-ce que je dois faire? Comment? Monica, la table ne font plus qu'un. Je n'ai pas de chance. J'ai un tout petit seau de Maltesers. Et moi, j'ai de la chance. Waouh! Et oui, j'ai tous les plus gros bonbons. Mais la première mangée sera la moins chanceuse. Oui, oui, je commence. J'ai peut-être eu la plus petite portion de bonbons, mais je suis sûre que c'est quand même très très bon. Mais je pense que ce n'est pas tout. Il y a encore d'autres bonbons à l'intérieur. Oh! Non, mais tu devrais te voir. Et voilà, tiens. Aïe! C'est lui qui est le dernier riz. Vas-y, mange! Enfin! J'adore ces Maltesers! Oh, je pourrais en manger tous! Oh oui! C'est génial! Oups! J'ai du chocolat partout sur les mains! Et c'est vraiment pas si mal que ça! Maintenant, je vais tremper mes mains dans du chocolat! Voilà, maintenant j'ai des mains Maltesers. Les filles, c'est même plus pratique à manger comme ça. Oh, peut-être que c'est pratique, mais c'est vraiment dégoûtant. Et par contre, les vrais bonbons doivent être mangés comme ça. Oh, c'est tellement bon. Alors, je vais en profiter. Et si tu partages avec une copine? Non, mais bats les pattes. Ce sont mes bonbons. Et alors? Je sais comment faire. J'ai besoin d'une brûleur à gaz. Oui! Tellement de bonbons! Génial! Hé! Où sont mes bonbons? Oh, désolée, je voulais juste manger un peu. Non, mais viens ici. Tiens, c'est pour toi. Non, j'ai pas de chance, vraiment, c'est tellement petit. Et moi, j'ai toute une bouteille. Oh, je pense que j'avais tort. Je pense que c'est Malé qui a la plus grosse bouteille. Et par contre, j'ai un avantage. C'est tellement pratique que je peux manger et boire en première. Tiens. C'est vraiment très bon. Génial! Oh, malheureusement qu'il n'y a pas beaucoup. Et maintenant, je peux faire une bulle. Oups! Oh, n'importe quoi! Non, mais ma tête! Non, mais arrêtez de rigoler. Vas-y, mange ta portion. Avec plaisir. J'ai hâte de boire et de manger. Et je vais faire une énorme bulle après. Oh, waouh! Regardez, c'est vraiment une énorme bulle. Il peut même voler. J'ai une idée géniale. Je pourrais faire tout un tas de ballons. Oh, et voilà un autre ballon. Je les attacherai à une bouteille. Et alors, je vais les attacher à des bouteilles. Allez, on continue. Mon chewing-gum, il part. Non, c'est vraiment juste. Je voulais faire quelque chose qui est plus beau.
Bon, allez, il ne reste plus que toi. Enfin! Mais comment j'ai censé goûter ce chewing-gum? Oh, c'est tellement pas pratique. Les filles, on essaye? Oui, merci beaucoup. Alors, je verse. Oh oui! C'est vraiment génial! Oh, j'adore! Et stop! Ne verse pas de chewing-gum sur moi! Ah, t'as dit quelque chose? Je pense que c'était très drôle! Eh ben non! Vous êtes juste jalouse de moi! Oh, je vais faire une énorme bulle! Oups! Elle est tellement énorme! Les filles, c'était vraiment rigolo! Oui, on est collantes! Je n'ai jamais vu une pastèque aussi petite. Et la mienne, c'est une pastèque classique. Je pense que ça doit être sucré. Oh, et ma pastèque, je n'ai rien. Quelle injustice! Oh, je crois qu'il y a quelque chose qui vole. Oh, wow, ça doit être ma pastèque. Wow! Quelle taille! Alors, les filles, c'est la petite pastèque, mais c'est mieux que rien. Alors, je pense que je vais la couper ou je vais l'éplucher. Et maintenant, je vais manger ce qu'il y a à l'intérieur. Mmh, c'est très bon. Ouais, mais sans les pépins, ça devrait être mieux. Non, mais qu'est-ce que t'as fait? Non, mais je comprends que t'es jalouse. Mais il faut pas faire comme ça. Alors, il faut que je t'en mange. Mais comment le couper? Je pense que je vais en faire avec du karaté. Kia! Oh, ça fait mal! Oh, waouh! Regardez, j'ai réussi! Alors, maintenant, je peux en manger. J'ai une cuillère et je commence. Oh, comme c'est bon! J'adore l'odeur! Génial! Je veux encore! Qu'est-ce que je peux faire? Cette pastèque est trop grosse. Oh, comment faire? Je sais. Je vais prendre de la dynamite. Alors, je commence. De la dynamite? Sauvez qui peut! Oh, waouh! Oh, c'était cool! Non, mais regardez! On a tellement de pastèques! Servez-vous, les filles! Il y en a assez pour tout le monde! Merci! Ce ne sont pas des sandwichs, ce ne sont que des miettes de pain! Et moi, j'ai un sandwich complet! Oh, wow! Génial! Quelle portion! Oui, oui, j'ai de la chance! Vas-y, mange tes trucs! Alors, il est temps de déjeuner! Il est tellement petit, mais très, très appétissant! Oups, qu'est-ce que c'est que ça? Oh non, j'ai failli avaler le cure-dent! Alors, je vais en prendre. Comme ça, c'est mieux. Je pense que je vais prendre tes conseils et je vais enlever tout cela. Maintenant, je vais bien profiter de ces sandwichs. C'est génial! Hé, Candy, qu'est-ce que t'as fait? Oh, désolée. Non, mais je pense que j'avais très faim. Oh, n'importe quoi. Maintenant, je vais pas le manger. Alors, j'ai un sandwich en plus. Alors, il est temps pour mon sandwich géant. Mais comment je suis censée le soulever? C'est trop lourd. Oh, je suis fatiguée. Attendez. Je pense que j'ai une idée. Avec une épée, je vais diviser ce sandwich. Génial! Et maintenant, je vais mettre sur des bâtons. Regardez, j'ai réussi! Oui! Ce sont comme des brochettes en bois et des sandwichs en brochettes.
Je pense que je suis pleine. Waouh! Oh, t'es vraiment un peu trop grosse. Et oui, et bon. Je tombe! Tellement radine! Et c'est tout? Je n'ai jamais vu un coca aussi petit. Moi, par contre, j'ai eu beaucoup plus de chance. Plus? Regardez comme j'ai de la chance. Je n'ai jamais vu un tel ballon auparavant. Mais c'est celui qui a le moins de chance qui commence. Marie, toi, tu commences. Facile. Il ne reste plus qu'à briser cette petite beauté d'une manière ou d'une autre. Mais comment? Mais mes dents n'aident pas. Mais je vais te faire réussir, dire... Mais je vais réussir! Tiens! Tada! Oh, j'ai dit que je trouverais une solution. Bon, c'est bon. Dommage que ce soit si peu. Emma, c'est maintenant à toi d'essayer le coca. Ouais! En fait, j'ai pas de problème de la manière d'ouvrir la bouteille. C'est bon, ça. Ouais. Mais je dois expérimenter. Pourquoi pas faire plus bon pour le coca? Je vais peut-être rajouter du miel. Cool. J'espère que ça va me surprendre le goût. C'est fait. Bon. Il ne reste plus qu'à tout secouer. Je pense que ça fera l'affaire. Ouais, et tu peux pas boire le coca chaud. Il faut bien refroidir mon coca. C'est fait. Maintenant, tu peux la boire. Ou plutôt, manger ce coca. Regardez. C'est comme la gelée au coca. Ouais. Et tout cela grâce au miel et au foie. Je suis absolument ravie. Et j'ai envie de manger tout d'un seul coup. J'aime bien comment on se s'étire. Je pense que c'est vraiment très bon. Ouais. Oh non. Non mais... Ma main est coincée à la beauté. Je veux pas me salir. Je vais devoir utiliser la table, c'est fait. Et je vais devoir lécher la main. Alors, maintenant c'est à mon tour de boire du coca. J'ai même préparé une paille pour l'occasion. Oh, c'est génial, les filles, n'est-ce pas? Oh non, ma paille! Quoi faire? Je vais pas boire le coca comme ça. Heureusement que j'ai d'autres pailles. Et je pourrais facilement faire une longue paille. Emma, je propose que nous apprentions son idée. Et du coca! Qu'est-ce que c'est que ça? Les filles, n'avez-vous pas honte de vous? On vous a pas appris que quand vous étiez petites, que vous ne devez pas prendre les affaires de quelqu'un d'autre. Oh, vous donnez le son. Je suis d'accord. Heureusement que j'ai toujours des manteaux sur moi. C'est presque fait. Ça va être une explosion! Ah! N'importe quoi! Maintenant, je suis toute coulante! Horrible! Je n'ai rien à boire du tout! Mais c'était cool! C'était vraiment génial! Ouais! Je ne vais pas manger autant! Kate, c'est épicé ces nouilles. Mais j'ai pas de chance, moi.
t'as pas de chance? Non mais vous avez vu ce saut? Heureusement que Kate commence cette fois-ci. Bon, je suis pas une lâche. Je peux définitivement supporter les nouilles. Il n'y a pas beaucoup. Ah! Comment c'est chaud! Les filles, vous allez avoir des surprises vraiment un peu désagréables. Ouais, c'est pas bon. Emma, je t'en veux pas du tout. Les bijoux mangent cette bombe à retardement, plus vite ils me lâcheront. Bon? Bon, c'est pas si mal que ça. Oh oh! Je pense que je sais de quoi Kate a parlé. C'est tellement épicé! Oh wow! Il y a tellement de feu! Oui, maintenant c'est plus simple. Marie, arrête de parler. Il faut manger des nouilles. Non, je vais pas réussir. Je vais pas réussir du tout. Mais je peux le faire. Tiens-toi les nouilles. Marie te montrera. Les filles, je suis en train de tomber malade. Nous sommes des amis. Et des amis ne se quittent jamais. Viens, on va aider Marie. Marie! Oh. Merci. C'est tellement plus facile. On peut continuer à manger. N'oubliez pas de faire des pchites. Marie. Yeah. Ouais, tu peux toujours compter sur nous. Bon, c'est pas le moment pour les sentiments. Oh oh, je crois qu'il n'y a plus d'eau du tout. Oh non! Aidez-moi! Waouh! Les filles, désolée pour les cheveux. Je l'ai pas fait exprès. Aïe! Ça pique! C'est trop grand! Et c'est toi qui as le grand cactus? Je n'ai jamais rien vu! Oh non, je vais tomber malade! Tout va bien se passer! Oui, nous nous en assurerons grâce à ton exemple! Oh, j'ai une idée! Pourquoi ne pas dépouiller le cactus de toutes ses aiguilles? Comme ça, ça ne fera pas de mal! Génial. Ouais. Le goût est vraiment mauvais, bien sûr. Mais l'aider avec une pince, ouais, ça a marché. Emma, vas-y, c'est ton tour. Bon. Je vais aussi me débarrasser des épines. Mais je vais le faire d'une manière beaucoup plus élégante. Kia! C'est fait? Emma, t'es une vraie ninja! Bravo! Merci beaucoup, j'ai bien essayé. Mais c'est parlé, il est temps de manger. Oh non! Comme c'est dégoûtant! Non, mais Mungina ne peut pas gérer ça. C'est dégueulasse. Mais tu dois quand même tout manger. Qui a inventé ces règles stupides? Oh non! Non, c'est assez. C'est la chose la plus dégoûtante que j'ai goûtée depuis longtemps. Kate, il ne reste plus que toi. Pourquoi vous me faites cela? Je pense que je vais aller du côté de Marie. Je vais essayer de retirer toutes les aiguilles avec une pince à épiler.
J'ai une idée meilleure et plus rapide. Kate, va chercher la scie. Une scie? Oh non, je sais pas comment utiliser de toute façon. Les pinces épilées, par contre, sont faciles. Bon, faut pas se précipiter. Bon, c'est passé comme ça. Elle a pas terminé du tout. Non, mais quand est-ce qu'elle va terminer? Je n'ai plus de force du tout. Arrête de râler, reste un peu. Voilà. Le cactus est prêt. Oh, tout le monde dort. Bon, je vais devoir essayer le cactus toute seule. En fait, ça sent bon. Oh, les filles avaient raison. Le goût de cactus est horriblement dégoûtant. Mais comme tout le monde dort, personne ne saura que je vais le jeter. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? C'est moi. Bon, c'est tellement dégoûtant. Pauvre Kate. Oui, oui, oui. Oh non! C'est du piment! Oh! Monica, au moins t'as eu de la chance avec la taille de la portion. Y'a rien à faire. On va devoir boire ce mélange de feu. C'est un challenge chaud. Ma tête est même en ébullition. Oh, come on! Maintenant, c'est mon tour. Épicé. Urgent, j'ai besoin d'un antidote. Le lait fera l'affaire. Oh, c'est plus facile maintenant. Les filles, vous pouvez vous passer de moi? Oh non. Pas question, Lily. Bois ta boisson. Appelez les pompiers! T'inquiète pas, Lily. Nous pouvons nous débrouiller sans eux. Merci. Les écarts de température sont trop importants. Un tel petit hubabuba. Ce n'est pas juste. Oh, j'ai pas besoin de ciseaux. Mais le chewing-gum est tout aussi délicieux. Ça tient parfaitement dans ma bouche. Je peux imaginer quelle énorme bulle mon hubabuba ferait. Les ciseaux sont très pratiques. Lily, laisse-moi t'offrir une autre part. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que je vais éclater. Oh my god! Oh, je suis une gomme fantastique. Viens ici, ma chérie. Quoi? Non, j'ai dit bien ici. Là. Oh non! Gotcha! Et les filles? Oh, non! Yeah! Coupons un morceau. Wow! C'était évidemment trop. C'est mieux. Oh, nom, 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 nom. Oh my god! C'est tellement bon! Monica, tu vas où? Le challenge n'est pas encore terminé. Wow. Wow. Hein? Qu'est-ce qu'on est censé faire avec ça? Coucou. Je
pense que je l'ai eu. Oh, de la marmelade! Nous avons juste besoin de l'augmenter de taille un peu plus. C'est mieux. Awesome! Regardez ça, un masque de beauté comestible. Maintenant que je suis encore plus jolie, je peux avoir un rafraîchissement. Pratique et très savoureux. Wow! Je me demande ce que j'ai eu. Quelque chose de très lourd. What? Ne vous inquiétez pas, je vais bien. Oh. Ça, c'est la taille. C'est l'heure du milkshake à la marmelade. Très rafraîchissant. Ça, c'est pour un apéritif. Tout le monde, préparez-vous. Feu d'artifice de marmelade. Je pense que je l'ai mérité. C'est délicieux. Je ne peux pas m'arrêter. Au revoir, le régime. What? What? Pourquoi j'ai la plus petite portion? Et je suis la plus chanceuse. Très peu de miel aussi. Awesome! Mais c'est très savoureux. Yeah! Yeah! Je vais aussi l'essayer maintenant. Yeah! Ajoutons du miel. C'est si sucré, c'est tout simplement délicieux. Oh. Attention à ne pas mordre. Il reste encore tellement de miel. Mmh. Oh my God! Mmh. Oh. Je vais manger jusqu'à la dernière goutte. Je crois que je me suis un peu salie. Une seconde. C'est mieux? J'arrive. Et voilà, maintenant j'ai l'air incroyable. Maintenant c'est à mon tour de manger. Lily, tu peux m'aider? Ok. J'en serais ravie, Monica. Ouvre la bouche en grand. C'est tellement meilleur comme ça. Merci, Lily. Qu'est-ce qu'on a? Un diamant au chocolat? J'ai une idée. Maintenant, ouvrons-le à nouveau. Wow. Oh, c'était une mauvaise idée. Ah.
yeux. Yes! Ok. Maintenant, moi. Oh. Yes! Come on! Wow! C'est vraiment délicieux. I love you. Je crois qu'il me manque des garnitures. Et vous pouvez prendre une collation à tout moment. Oh my God! Je pense que Wendy a trop de chocolat. Nous devons rétablir la justice. C'est mon diamant. Je ne laisserai personne voler mon chocolat. Remets-le, Lily. Oh non. Gotcha. C'est délicieux. Il fond dans la bouche. Ce sont les nuggets. Wow! Wow! Yes! Oh, really? J'ai encore eu de la malchance avec la portion. Je pense que ce serait encore meilleur avec la sauce. J'avais raison. C'est délicieux. Essayons un morceau. Ok, here we go. Yeah. Wow. Avec la sauce, Monica. Yes. Ah oui, d'accord. C'est tellement bon. Oh. Peux en avoir d'autres. Pour toi, Monica, autant que tu veux. Oh my God. Il reste de la sauce pour moi. Oh. J'ai assez de sauce pour tout le monde. Je pense que t'en as trop fait, Lily. Uh-oh. Oh non. What? Mais c'est quand même délicieux. Coucou. C'est un appétit vicieux. Oh my God! J'espère qu'elle ne va pas nous manger, toi et moi. What? Quand est-ce que les goodies arrivent? Oh, Uba Buba! J'en ai un le plus petit! Le mien est très grand! Le mien est encore plus grand! Washington semble très petit comparé au mien! Ouais! Sans Uba Buba cool! J'y, t'en as la plus petite, vas-y! J'en serai ravie! Mon chewing-gum est peut-être petit, mais il a bon goût. C'est très bon. Ah. Je pense que je peux manger mon Uba Buba d'un seul coup. C'est plus savoureux de cette façon et beaucoup plus rapide. C'était tellement facile. Je pense que c'est descendu dans la mauvaise gorge. À l'aide. Regarde-moi où tu craches. Parce que ma gorge était déjà collée. Marie, maintenant c'est ton tour.
Enfin. Yay, beaucoup de petits rubans mâchés, mais très savoureux. Ça va me durer longtemps. Je pense que tu les mangeras tous en même temps. Oui, c'est ce qui s'est passé. Ce n'est pas ma faute s'ils sont si savoureux. Regardez, tout le monde, voici la super bulle. Regardez comment c'est grand. Oui, ça va t'envoyer très haut. Au revoir. Regardez, je suis si haut que les corbeaux peuvent passer devant moi. Je suis tellement haut. Ah, l'oiseau m'a fait tomber. Oh, ça va faire mal. Wow, c'était très amusant. Andy, elle est celle qui reste. Génial. Wow, c'est vraiment cool. C'est le plus gros chewing-gum que j'ai jamais vu. Le plus grand et le plus savoureux. Oui, ça a l'air vraiment savoureux. C'est délicieux. Ça avait l'air quoi? Mais je le fais en quelques secondes. Voilà la bulle. Regardez. Wow. Cool. Très grand. Oh. Ces bulles ne sont pas très fortes après tout. C'était génial. C'est comme être sur un manège. J'en sais petit œil marmelade. Et vos yeux sont juste énormes. C'est tellement injuste. Je pense que c'est juste. Vos yeux. D'accord, surtout à moi, parce que c'est le plus grand. Stop. Tout le monde debout. Mon œil est le plus petit, donc je le mangerai en premier. J'ai même une fourchette spéciale. Oh non, c'est trop glissant. Maintenant, essaye d'attraper ce rebondisseur. Oh non, il s'avère que c'est assez facile. L'œil peut être petit, mais vraiment délicieux. Avec une si délicieuse confiture à l'intérieur. Dommage qu'il n'y en ait qu'un seul. Gilles, mange maintenant. J'en serai ravie. J'ai juste vraiment faim. Mon œil est plus gros, donc j'aurai non seulement besoin d'une fourchette, mais aussi d'un couteau. De cette façon, je peux manger ce géant beaucoup plus rapidement et plus confortablement. Wow. Comme je m'en doutais, le goût est magique. Je me souviens aussi de ce goût. Je ne sais pas comment m'arrêter. C'est tellement délicieux que je ne peux pas me le décrire avec des mots. Oui, la vitesse est impressionnante. C'est impossible de manger quelque chose de si bon d'une autre manière. Tu veux tout manger d'un coup. Oups. Excusez-moi. Ah, ça pue. T'aurais pu retourner. Autant que ce soit à mon tour maintenant. Mais je vais avoir besoin d'une grande fourchette. Je pense que celle-ci est trop lourde. Oui, c'est un problème. Je pourrais utiliser de la farine pour tenir une fourchette aussi grande et glissante. Elle rendra mes mains moins glissantes. Et alors, comment c'est? On dirait qu'il y a un intrus vient vers toi. Fais attention. Oh, je ne pense pas que je puisse supporter ça. Oups, quelle mouche lourde. Ouais. Grâce à elle, l'œil est maintenant à nous. Plus jamais. Ne touchez pas. Je n'ai peut-être pas de fourchette, mais je vais quand même me débarrasser de cet œil savoureux et en rien de temps. Vous avez raison. C'est vraiment délicieux. J'ai jamais goûté quelque chose de si bon. Vous avez vu ça? J'ai presque fini avec l'œil entier. Ouais, on peut le sentir. Tous les morceaux de marmelade volent droit vers nous. Je ne peux pas.
C'est tellement délicieux que je ne pense pas faire attention. C'est la plus petite glace que j'ai jamais vue. J'ai eu plus de chance. Toi, c'est moi le plus chanceux. Regardez cette montagne de crème glacée. Il y en a tellement et c'est si bon. J'en veux aussi. Qu'est-ce que t'attends? C'est l'heure de manger. Vraiment quoi attendre? C'est l'heure de manger. Ma glace est si petite que je peux l'attraper avec ma bouche sans trop de problèmes si je la lance. Vraiment? Bien sûr, là, regarde. Tada! Oh, waouh, ça a vraiment marché. Essuyez juste votre nez. Bien, merci. Je n'ai plus de crème glacée. Je dois juste finir mon cône. J'ai terminé. Jill, maintenant toi. Allez, Jill! Je ne veux même pas jouer avec ma glace. J'ai juste envie de la manger. C'est tellement bon! C'est une vraie gloutonne! Parle-moi de ça. C'est bon. Oh, pourquoi c'est si sombre? Je me demande quand il l'aura. Je crois qu'il y a de la crème glacée collée à mes lunettes. C'est pas bon. J'ai vraiment besoin d'autres lunettes. Je peux voir à nouveau. On peut lécher la glace sur les lunettes. Et manger un cône. C'est drôle d'ailleurs. Andy, tu manges maintenant. Enfin. Cela fait des années que je voulais me débarrasser de cette délicieuse pile. Je peux faire ce que je veux avec ces boules. Je peux même les serrer dans mes mains. Mais l'important, c'est de tout manger. La crème glacée est délicieuse, mais il y en a tellement que je me gèle. C'est déjà tout bleu. Tu vas arrêter? Non, je dois finir toutes ces glaces jusqu'au bout. Mais t'es déjà couvert de glace. C'est bon. Waouh, elle est vraiment gelée. Nous devons l'aider. Je suis d'accord. Nous devons le réchauffer. Sauvez-moi, s'il vous plaît. Je ne sens plus rien. T'inquiète pas, t'es presque sauvé. Merci beaucoup. La crème glacée était délicieuse, mais beaucoup trop froide.